Bonsoir. Bon, je fais cette vidéo parce que ce qui se passe au Cameroun actuellement, c'est honteux, c'est souillant, c'est déplorable, c'est inacceptable. Ok? Nous avons ri, nous nous sommes moqués, nous avons parlé, nous avons insulté. On a trouvé ça amusant, certains ont trouvé ça triste, certains ont trouvé ça déplorable. Ok, tout ça. Mais est-ce qu'on s'est posé la question? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter un tel désastre? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter de telles catastrophes? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête? Parce que les gens continuent à se blesser sur ces escaliers roulants. Les gens continuent à tomber. Les gens continuent à se moquer. Les gens continuent à faire comme si c'était un cirque. C'est très grave la situation. Vraiment très grave. Déjà, ce que je vais rappeler, c'est que les escaliers roulants, même en Europe, les gens tombent dessus. Oui. Même en Europe, jusqu'aujourd'hui, les gens tombent dessus. Si j'ai le temps, je vais faire passer les vidéos à côté. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas quelque chose qui est propre au Cameroun, ce n'est pas quelque chose qui est propre aux Africains. Les gens tombent. Donc, se moquer, c'est bien beau de se moquer, mais il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est... On ne naît pas avec. OK? On ne naît pas avec. Je me rappelle dans l'enfance, on avait... À Tébéla, des escaliers roulants. Malheureusement, le pays est tellement sombré dans, je ne sais même pas, dans l'oubli, dans la débandade totale, dans, je ne sais même pas ce que comment je peux qualifier ça. Ça démontre à quel point le pays va mal. Comment on peut être en 2021, l'escalier roulant est un phénomène dans un pays? Ce n'est pas acceptable. Mais je ne vais pas entrer dans ce domaine parce que ça relève beaucoup plus de domaines politiques et tout. Et là, je ne suis pas là pour la politique aujourd'hui. Je dis, même quand vous prenez l'avion, même si vous prenez l'avion tous les jours, je dis bien tous les jours que Dieu a créé, vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous entrez, il y a toujours des instructions. On vous dit comment il faut faire. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais pris l'avion et ce sera leur première fois. Tout comme quand vous entrez dans un supermarché comme celui-là, certainement il y a des gens qui n'ont jamais pris l'escalier roulant. Ils devraient avoir des instructions, peut-être des écrans géants où on explique comment est-ce qu'on prend l'escalier roulant en toute sécurité. C'est bien beau peut-être que l'initiateur du projet n'y a pas pensé, mais ce serait bien d'installer une vidéo où on explique comment est-ce qu'on prend l'escalier roulant. Bon, je vais faire cette vidéo très courte. Donc voilà. J'espère que cette solution pourra aider parce que c'est catastrophique, inacceptable et déplorable.